des Français. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous déranger. C'est la télé. Bien, alors monsieur, nous allons vous demander, est-ce que vous trouvez que les RER sont trop bruyants? Je dois être... Monsieur, restez ici. Est-ce que vous trouvez que les RER sont trop bruyants? Est-ce que vous trouvez que les RER sont trop bruyants? Je vous en entends parler plus fort, monsieur. Vous dites? Je trouve que c'est beau aujourd'hui. Non, est-ce que vous trouvez que les RER sont trop bruyants? Les RER? Ah, ici. C'était à la rencontre des Français. Merci, monsieur. Bonsoir, audience. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un jeune voyageur et nous allons lui demander ce qui le pousse par rapport à la sécurité à l'intérieur des trains de Bordeaux. Mon cher monsieur, comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la sécurité au sein des trains de Bordeaux, mon cher monsieur? De quoi? Que pensez-vous de la sécurité au sein des trains de métro ou RER de la banlieue parisienne? Laissez-moi ça tranquille, enfin. Mais ne touchez pas, c'est juste... J'appelle la sécurité, hein, si vous continuez. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un vol? D'un vol, non, mais d'un dérangement, là, oui, là, vite chez moi. Quand, comment, dégagez-moi ça, bon. Avec votre caméra. On arrête avec l'audience. Ton portable, connard. C'est plein de... La banlieue. Endroit hostile, où seuls les vrais rois de la jungle peuvent s'imposer. Mais sortez du champ, monsieur. Pardon, mais oui, mais faut que j'y aille, là, moi je m'en vais maintenant. Passez. Faut pas passer devant la caméra, pardon. Ah, bah oui, mais c'est pas pratique.